Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, donc un tuto comment réaliser du 3D, donc c'est-à-dire enfin 3D, par exemple des cubes, des pavés, plein de trucs en gros. Et donc je vais vous apprendre comment réaliser le 3D. Tout d'abord, je vais mettre en mode accéléré. Quelques trucs à faire en 3D. Allez, tout de suite, je vais taper. Faites un carré. Oui. Donc vous faites un carré, vous vous compliquez pas la vie. Mais faites-en pas un trop moche. Donc là, on va faire le 3D de ce côté, ce sera plus facile. Avancez de deux carreaux comme ça, en diagonale. Et vous faites ça à chaque côté. Donc déjà tout autour. Celui de l'intérieur, vous appuyez beaucoup moins pour bien faire cube. Là, quand vous passez ici, vous passez beaucoup moins. Et bien sûr, le contour, vous reluez et vous pouvez appuyer fort. Attendez, excusez-moi, je suis désolée. Je n'avais pas vu que je n'étais pas comme ça. Donc, vous pouvez descendre là. Et vous reliez cet angle à celui-là. Donc, je vais vous montrer un peu de plus près. Et donc, si vous regardez bien, en fait, c'est deux carrés. Et après, on met les perspectives. Moi, au début, j'ai appris comme ça, mais maintenant, je sais faire comme ça. Allez, donc donc là, en photo, je vais vous montrer quelques autres choses à faire. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire du 3D, mais quand c'est rond. Donc, par exemple, excusez-moi pour le bruit. Donc, par exemple, faire une bouteille. En 3D. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à voir les autres tutos et les autres vidéos. Allez, ciao!